Bienvenue dans votre émission Résilience, une émission réalisée en partenariat avec le projet Protège, financé par l'Union européenne et piloté par la Communauté du Pacifique et le programme régional océanien de l'environnement. Pour ce numéro, nous nous intéressons aux observatoires de la pêche et des lagons pour comprendre leur fonctionnement et leurs enjeux. Nous sommes allés tourner en Polynésie française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Au large de Wallis et Futuna, au petit matin. Patita est pêcheur professionnel. Il effectue environ 2 sorties en mer par semaine. Là, on va sortir du lagon. On va aller pêcher à l'extérieur. Extérieur pour moi, c'est-à-dire derrière le récif. Là, on trouvera certainement du pélagique. Le pélagique, c'est... Ça part du thon, ça part du tasard du large, ça part du barracuda, ça part des espadons. Mais encore une fois, la pêche est très aléatoire et on ne sait pas ce qu'on va attraper. Ce jour-là, Patita et son équipage pratiquent notamment la pêche à la traîne et sortent quelques beaux barracudas. Notre deuxième technique de pêche, hein. C'est la palangrotte récifale hein, qui fait que on commence à 15 mètres de profondeur jusqu'à 40 mètres en gros. Donc pour l'instant donc on a lâché les lignes et puis écoute, on verra bien. C'est un peu comme ça qu'on pêche. Touche. Avec cette technique de pêche, Patita peut espérer attraper de l'empereur, du rouget, du tasard ou de la loche, comme ici, au bout de cet hameçon. C'est une petite loche. Ouais, famille loche, quoi, voilà. Ce jour-là, Patita attrapera une dizaine de poissons. Une partie sera utilisée pour nourrir sa famille, l'autre sera vendue. Ça nous permet d'amener un complément au budget familial. Et avec les activités qu'on pratique, qu'on réalise à côté, ça complète. Donc la pêche, effectivement, bon, ça nourrit, ça permet à la famille de bien vivre. Une vie confortable, mais depuis quelques années, Patita est inquiet sur l'état de la ressource marine de Wallis et Futuna. La crainte, c'est cette diminution qui est bien présente en quantité, en taille. Donc la crainte, c'est que les générations futures, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants, ne pourront pas, si il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réaction au niveau mondial, ces générations-là ne bénéficieront pas de ce qu'on a actuellement. Face au déclin observé ou présumé des ressources marines de certaines îles du Pacifique, le projet Protège a mis en place des observatoires des pêches en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna et un observatoire des lagons en Polynésie française. Objectif, préserver la ressource halieutique et soutenir des filières économiques. Wallis et Futuna, comme partout en Océanie, la pêche est l'un des piliers de l'organisation sociale, de la sécurité alimentaire et du développement économique du territoire. Pourtant, il n'existe pas de données consolidées sur l'état de la ressource. Alors, en 2021, la direction des services de l'agriculture, de la forêt et de la pêche s'est dotée d'un observatoire des pêches côtières. Baptiste Jaujon, ingénieur en sciences de la mer, pilote sa mise en place. Les objectifs principaux de l'Observatoire des pêches sont principalement de répondre aux besoins des pêcheurs en termes d'informations sur l'état de la ressource, sur la filière, répondre également aux besoins des décideurs, donc leur apporter des données nécessaires pour
pour orienter les stratégies simplement de développement de la filière et également de nous éclairer, nous, en tant que gestionnaires, sur l'état de la ressource et sur la filière. L'une des missions de l'Observatoire est de collecter de la donnée sur les poissons capturés par les pêcheurs. Afin de perfectionner les connaissances dans ce domaine, une coopération régionale est mise en place entre Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie dans le cadre du projet Protège. Durant plusieurs jours, Loto Lelei Manufekai, technicienne de pêche à l'Observatoire de Wallis, a été formée grâce aux expériences des acteurs de la pêche calédonienne. Collecte de données au marché aux poissons dans le cadre de l'évaluation des stocks naturels. Rencontre avec des pêcheurs. C'est deux lignes. Vous aviez deux lignes en même temps. Chacun une ligne. Mais aussi un atelier essentiel qui se déroule au siège de la communauté du Pacifique. C'est bon pour les deux, mais on peut se préparer pour les otolithes. Un atelier d'échantillonnage biologique pour apprendre à déterminer l'âge des poissons capturés, notamment grâce aux otolithes, des petites pierres ressemblant à des cristaux présentes dans le cerveau des poissons. Donc pour les otolithes, il faut vraiment faire la coupure juste au-dessus des yeux, une coupure un peu horizontale là. Et donc ces otolithes, après, on les fera analyser. En fait, il y a des marques sombres et plus claires sur chaque année d'âge du poisson. Loto, t'arrives à les voir ? Ouais, mais j'arrive pas à les sortir. Mais après plusieurs minutes de persévérance, l'extraction est réussie. C'est sur le côté, là, non ? Ouais, ouais. Yeah, bon, tu te jettes. Yes. Super. Ah, super. Autre technique enseignée ce jour-là, l'analyse des gonades, l'appareil reproducteur des poissons, qui lui aussi permet de déterminer sa maturité. Donc voilà, tu coupes à partir de l'anus et tu remontes vers la tête. Alors tu essayes de ne pas trop percer les intestins pour qu'on puisse y voir quelque chose, puis après tu écartes. Ah, yes, ah, il y a des gonades. On a quelque chose. A priori, une femelle pour moi, je pense. Ouais, et toi, Loto ? Femelle. Yes. Le prélèvement qu'on fait en général, c'est pour avoir une idée de l'état de santé des populations. Et en fait, pour savoir si les poissons qui sont là, qu'on a entre nos mains par exemple, sont matures ou non. Ouais. Et sachant qu'un poisson, s'il n'a pas le temps de se reproduire, bah, c'est pas très bon pour la pêcherie. Donc en fait, c'est plus pour donner des conseils un peu sur comment gérer les pêches. Fixer les tailles minimales de capture, par exemple. Ouais, par exemple, ouais. Retour à Wallis. Après sa semaine de formation à Nouméa, Loto Lelei va pouvoir faire partager ses nouvelles connaissances à ses collègues de l'Observatoire des pêches côtières. Ce que j'ai appris et ce que je retiens de mon séjour sur la Nouvelle-Calédonie, c'est ce lien de proximité avec les pêcheurs professionnels et vivriers. Si on arrive à établir un lien de confiance, la collecte de données se passera super bien. On avait fait des mesures au marché et j'avais vu comment Pauline et puis son collègue avait procédé, et donc j'avais vu qu'il y avait ce lien de confiance avec les pêcheurs. Malgré qu'il y avait les autres pêcheurs autour du marché qui regardaient, ils étaient un peu... ils n'osaient pas trop s'approcher de nous, mais les agents avaient réussi à avoir un lien de confiance avec les pêcheurs pros avec qui on avait pu mesurer le poisson. L'équipe de l'Observatoire de Wallis et Futuna a gagné la confiance d'une vingtaine de pêcheurs qui acceptent de partager régulièrement les données des poissons qu'ils pêchent pour évaluer l'état de la ressource halieutique. Aujourd'hui, Loto Lelei et ses collègues embarquent avec l'équipage de Patita. Objectif de la collecte, établir notamment la maturité sexuelle des espèces capturées ce jour-là grâce à la technique enseignée à Nouméa. Ouais, alors là, on va essayer de trouver les gonades sur la loche. Attends, on va bien les... Ouais, bah là, c'est assez dur à déterminer. Déjà, on peut dire qu'il n'a pas atteint le stade de maturité, à mon avis. Ce qui veut dire qu'il est encore trop jeune. C'est un bébé poisson. C'est encore un bébé poisson. Ce jour-là, une dizaine de poissons seront analysés. De retour à terre, ils sont photographiés, mesurés et pesés. Les données collectées par l'Observatoire des pêches de Wallis commencent à donner une première photographie de l'état de la ressource.
à l'occasion de la journée de la pêche durable organisée en novembre 2021. Baptiste Jojon nous en partage les premières conclusions. On se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre de stocks qui est surexploité. Si on se base sur un indicateur très simple qui est le pourcentage du stock pêché à maturité, on se rend compte par exemple chez certaines espèces de perroquets, chez le kiwi, donc un vivano, on se retrouve avec des individus qui sont pêchés. Il y a trop d'individus immatures pêchés et donc une dynamique de population qui est plutôt à la baisse. Toutes ces données sont partagées avec les pêcheurs pour réfléchir collectivement aux mesures adéquates à mettre en place pour une bonne gestion de la ressource. En Polynésie française, la Direction des ressources marines, la DRM, et Protège ont renforcé en 2019 le réseau d'observation des lagons de Polynésie, Réseau Lag, afin de soutenir et protéger la filière perlicole qui représente la deuxième ressource économique du territoire. Alors, ce réseau consiste à installer des sondes multiparamètres un peu partout, enfin dans plusieurs lagons de Polynésie, lagon perlicole principalement, parce qu'on souhaite suivre un peu les paramètres de qualité de l'eau de ces lagons en fonction de l'activité perlicole, voir s'il y a des évolutions, s'il y a des signes de dysfonctionnement et tout et tout. Donc on installe ces instruments dans des lagons assez importants pour la filière et on suit comme ça les paramètres de l'eau premièrement. Ça va être tout ce qui va être température, oxygène, et le phytoplancton, et aussi tout ce qui va être plutôt biologique, c'est-à-dire le collectage naturel, est-ce qu'il fonctionne toujours, est-ce qu'il a diminué, est-ce qu'il va mieux, ou alors le stock d'huîtres sauvages aussi. Depuis 2019, le réseau évolue. Deux îles hautes et trois atolls ont été sélectionnés pour y déployer ces sondes. Elles sont régulièrement inspectées par l'équipe de VTA. Aujourd'hui, l'inspection se déroule sur l'atoll de Takaroa, au Tuamotu. Yann Follin est technicien en environnement à la DRM. C'est lui qui est en charge de la maintenance des sondes. Alors là, on est sur le site de la sonde de Takaroa. Donc on voit la sonde qui est juste là. Et en fait, on va aller sortir la sonde pour faire un entretien des capteurs et pour la remettre après en place pour continuer les séries de données. Pour récupérer la sonde, il faut plonger en apnée à 5 mètres de profondeur. L'appareil est maintenu immergé grâce à un système de cordes et de bouées. Les données collectées par les sondes sont transmises toutes les heures via le réseau Internet et récupérées à Papeete pour être analysées. Ces données seront ensuite en partie diffusées sur le site Internet de la DRM. La sonde que va récupérer Yann a passé 6 mois sous la mer. Elle est recouverte d'algues et de coquillages. Il aura fallu moins de 10 minutes à Yann pour la récupérer et la hisser sur le bateau. L'appareil est ramené à terre pour être nettoyé et démonté afin de vérifier que les capteurs n'ont subi aucune avarie. PVC, et donc on a le corps de la sonde qui est ici et on a les capteurs qui enregistrent les paramètres dont on a parlé tout à l'heure avec un balai qui permet de faire un système anti-fouling et de nettoyer les capteurs. On voit que les capteurs sont très propres par rapport au reste de la sonde. Yann va entièrement nettoyer la sonde avant de l'envoyer en métropole pour un check-up complet. Une nouvelle sonde sera installée sur ce même site pour assurer la continuité des données. Avec ces données scientifiques, l'objectif de l'observatoire Réseau Lag est de permettre à terme de prévenir des phénomènes destructeurs pour la filière perlicole, comme ce fut le cas en 2013-2014 à Takaroa. Sur Takaroa, ça a été un lagon un peu particulier parce que Takaroa a subi en fait une efflorescence algale de grande ampleur, alors ce qui est appelé le vétia en tahitien. C'est en fait un phénomène tout à fait naturel.
Sauf qu'à Takaroa, en 2013-2014, ça a été d'une ampleur encore jamais vue. C'est-à-dire que tout le lagon était devenu vert, en fait, et ça a impacté toute la filière perlicole de l'île. Ça a fait complètement chuter le collectage. Les huîtres n'étaient plus en assez bonne santé pour produire des perles. Et à cette époque-là, il n'y avait aucun réseau de suivi. Donc on n'a pas pu collecter de données sur ce phénomène et aujourd'hui on ne le comprend toujours pas. Donc l'objectif aussi de Réseau Lac, c'est de pouvoir suivre des îles au cas où ce genre de phénomène se reproduit pour essayer de mieux les comprendre, mieux les cerner et aussi surtout trouver des indicateurs précoces en fait qui nous donneraient des signes de dysfonctionnement avant que l'événement arrive. Grâce à ces observatoires, la Polynésie française, Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie disposent d'outils efficaces pour une meilleure gestion de la ressource marine, alors que la crise sanitaire du Covid a révélé le rôle essentiel que jouent la pêche et l'aquaculture dans la résilience des communautés insulaires du Pacifique. Retour en Nouvelle-Calédonie. Le territoire compte de nombreux pêcheurs. Sur le port de Nouméa, nous avons rencontré Luani Opwe, le coordinateur de la Confédération des pêcheurs professionnels calédoniens. Luani Opwe, bonjour. Vous êtes le coordinateur de la Confédération des pêcheurs professionnels. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est la place de la pêche en Nouvelle-Calédonie ? Si je prends la pêche dans son ensemble, la pêche, c'est déjà, ça fait partie des modes de vie des Calédoniens. Ça structure un certain nombre de relations sociales dans les coutumes et tout ça. Le poisson, mais généralement des produits de la mer, font l'objet d'échanges dans le cadre des cérémonies coutumières, mais aussi les relations que les gens entretiennent entre eux, au-delà de la société kanak, il y a du troc qui se fait. Les chasseurs qui donnent un bout de cerf et le copain qui donne du poisson, c'est très courant chez les Calédoniens. Et ça fait partie du mode de vie des Calédoniens, c'est la pêche, la pratique et les échanges qui sont induits derrière. Alors, la pêche côtière, c'est combien de pêcheurs, des hommes, des femmes, des bateaux, de la pêche à pied? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ça? Donc la pêche professionnelle côtière, c'est environ 600 pêcheurs. Sur ces 600 pêcheurs, on a environ 150 dans le sud, un peu plus de 300 dans le nord, et puis une cinquantaine, un peu moins, dans les îles. Donc c'est plutôt des hommes, plutôt des femmes ? La sociologie, je vais appeler comme ça, c'est plutôt beaucoup d'hommes avec un métier qui est vieillissant, une moyenne d'âge de 50 ans pour les pêcheurs. Donc c'est un métier qui est, en termes de renouvellement, c'est plutôt difficile, mais parce que les conditions d'exercice du métier et de lancement dans le métier sont assez compliquées. On l'a vu dans le reportage, la ressource marine est vulnérable. Est-ce que parmi les pêcheurs professionnels, c'est une préoccupation du quotidien de protéger cette ressource? Les pêcheurs, dans leur état d'esprit, la ressource, c'est leur gagne-pain. Donc plus ils la préservent, plus leur métier s'inscrit dans le temps long. Donc les préoccupations environnementales, c'est une réalité pour les pêcheurs. Il y a sans doute des choses à améliorer, mais la profession s'organise pour justement veiller à ce que la ressource soit préservée. Dans ce cadre-là, on est souvent sollicité pour réviser les codes de l'environnement et pour mettre en place un certain nombre de choses. Et dans ce cadre-là, la Confédération des pêcheurs professionnels de Nouvelle-Calédonie est également organisme de défense et de gestion du signe de qualité pêche responsable côtière. On a des pêcheurs côtiers responsables. Et la profession s'inscrit dans une démarche qui se veut durable en termes de préservation de la ressource. Dans ce cadre-là, aussi, je tiens juste à rappeler qu'un poisson
sur 6 en Nouvelle-Calédonie, qui est dans l'assiette des Calédoniens, provient de la pêche côtière professionnelle. Et donc ça veut dire que les 5 autres poissons sur les 6 proviennent de la pêche de plaisance. Et donc c'est un chiffre qu'il faut avoir en tête, puisque l'image des pêcheurs pilleurs du lagon, c'est pas totalement vrai. Après, l'idée, c'est pas d'opposer la pêche de plaisance, la pêche vivrière et la pêche professionnelle, mais d'avoir en tête que ce sont des réalités. Donc à ce moment-là, il faut voir comment on peut travailler ensemble pour garantir que la ressource ne s'épuise pas rapidement et qu'on puisse, les enfants de nos petits-enfants, puissent aussi avoir le luxe de se nourrir en allant à la pêche. Et voilà. On est à 2 ans de crise Covid. Il y a des difficultés économiques. On sait aussi que les enjeux de sécurité alimentaire, d'autonomie alimentaire sont essentiels, particulièrement en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que la pêche, les pêcheurs ont un rôle central à jouer dans ces questions-là? Les pêcheurs s'inscrivent dans cette vague-là. On a été sollicité par le président du gouvernement pour, dans le cadre de la préparation du forum sur les perspectives et les enjeux de la Nouvelle-Calédonie, a donné un certain nombre de thématiques qui nous semblent importantes. Nous, on a clairement dit l'autonomie alimentaire, et notre rôle dans ça, c'est de nourrir, au même titre que les agriculteurs, c'est de nourrir les Calédoniens. Le rôle que les pêcheurs peuvent avoir, c'est d'assurer un apport en protéines autre que les poulets congelés qui nous proviennent du Brésil ou d'ailleurs. Et avoir un poisson frais, c'est quand même mieux que d'avoir des produits congelés qui nous viennent de très loin. En plus, le poisson, c'est un aliment qui permet d'être en bonne santé plus que d'autres aliments. Effectivement, il est prouvé que le poisson apporte un certain nombre d'éléments favorables à la croissance des enfants, mais aussi des adultes. Et ça, c'est effectivement pas mal. Très bien, écoutez, merci beaucoup, Luen. C'est moi qui vous remercie pour la sollicitation. Merci beaucoup. En 2020, les pêcheurs professionnels de Nouvelle-Calédonie ont pêché environ 900 tonnes de poissons et crustacés. Pour veiller sur la ressource halieutique, l'ADECAL Technopole et le projet Protège ont mis en place, comme à Wallis et Futuna, un observatoire des pêches côtières. Bernard Fao est responsable du Bureau des pêches de la province Sud. Il participe au travail de cet observatoire. Bernard Fao, bonjour. Vous êtes le responsable des pêches à la province Sud. Alors, l'Observatoire des pêches côtières de Nouvelle-Calédonie a rendu son rapport annuel. Quelles sont les grandes tendances? Est-ce qu'il y a des espèces menacées? Est-ce qu'il y a de la surpêche? Non, je ne pense pas qu'il y ait de surexploitation au sens propre du terme. Ceci dit, le suivi annuel qui est opéré, même en continu par les services des pêches, met en évidence certaines ressources sur lesquelles on a vraiment des points de vigilance. Alors pour les nommer, il y a le crabe de palétuvier. Sa traduction complète, c'est qu'il y a une modification de la réglementation pour optimiser sa gestion. Donc on a limité le nombre de nasses par pêcheur. On a les holothuries avec l'inscription il y a 2 ans de 2 espèces présentes en Calédonie au CITES. Donc c'est tout ce qui régule en fait le commerce international. Et on a un petit focus aussi sur la taille des picots. Il y a une réglementation pour les pêcheurs professionnels. Est-ce que cette réglementation s'applique aussi pour le grand public, pour la pêche de loisirs? Et qu'est-ce qui est interdit de faire au grand public en termes de pêche? Et l'interdiction, elle est commune à tout le monde. Alors la première des mesures, c'est tout ce qui concerne, on va regrouper ça sur tout ce qui est conservation. Conservation des ressources. Alors dedans, on y met les tailles de première capture. Donc en Nouvelle-Calédonie, on a par exemple le crabe de palétuvier, 14 cm de largeur en dessous, c'est interdit. On a exactement la même déclinaison sur le troca. On l'a aussi sur la langouste. 7,5 cm de céphalothorax. Donc là, c'est tout ce qui concerne l'aspect biologie en fait, de l'animal, quoi. De la même manière, on a tout ce qui concerne la sélectivité des engins. Si je prends par exemple la pêche du maquereau, donc là, c'est un engin particulier, il y a un maillage particulier, il y a une hauteur particulière, il y a une longueur maximale. Et puis une dernière, en fait,
toujours lié à l'écologie du poisson, c'est qu'on sait que la majorité des espèces, dans leur cycle de vie, ils ont des périodes de reproduction. Et là, on essaye de protéger ces zones de frais. Hein, c'est le terme qui est utilisé. Alors, en Nouvelle-Calédonie, on en a deux. Enfin, je parle en province sud en particulier. Donc, la passe de Dimbéa pour la loche bleue en fin d'année. Et de la même manière, la loche ronde dans la baie de Prodi. Sur les tailles de poissons ou de crustacés, s'ajoute le fait de ne pas avoir le droit de pêcher pêche sous-marine de nuit. Et toutes ces réglementations s'appliquent aussi bien aux pêcheurs professionnels qu'au public. Hein. C'est ça qui est important. Alors, de rappeler. Le code de l'environnement, en fait, il est bien articulé. Il y a des dispositions qui sont communes. L'interdiction de la pêche de tortues, des espèces qui sont classées en protégées, et l'interdiction, elle est commune à tout le monde, quoi. Après, il y a des chapitres spécifiques à la pêche professionnelle, où là, on décline un petit peu les engins qui sont autorisés en fonction de la nature du pêcheur. Et la principale interdiction pour le grand public, c'est la pêche sous-marine de nuit. Tout à fait. Elle est uniquement réservée aux pêcheurs professionnels et uniquement pour la langouste. Très bien, écoutez, voilà. Bernard Fao, merci beaucoup. Merci à vous.